Good morgen, allez-y, d'aller sur aujourd'hui le Lunishmat, Mouvir Abishmuel Ben Shlomo Zalman Shlomo Bien Ben Mazal, ainsi que l'Irfoua et Amramina Ben Chana, ainsi que l'Irfouat, Sarah Bat Veti Rivka, Felz Voulon Ben Chayam Alia, Myriam Bat Rassida, Edo Ben Yudit Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah Kodakta 5 minutes éternelles, nous étudions Maserat Kolin, Parigvav, Mishnah Daled. Shachat Mea Chayot Bemakom Echad, Kisui Echad Lechulan. Mea Ofot Bemakom Echad, כיסוי אחד לכולן. חיה ועוף במקום אחד, כיסוי אחד לכולן. רבי יהודה אומר, שחט חיה יחסנה, ואחר כך ישחוט את העוף. שחט ולא כיסה, וראה הוא אחר חייב לחסות. כיסה הוא ונתגלה פטור מלחסות. כיסה הוא הרוח, חייב לחסות. משנת חסם, די הלכות. Sur les, donc on continue avec la mise à de kisui adam, de recouvrir le sang des chayot et des ofot, des animaux sauvages et des ofot, c'est des volailles. Lorsqu'on les égorge, on a le premier sang qui gicle par terre, on apprend dans la prochaine émission de quel sang exactement faut-il recouvrir. En tout cas, le sang qui gicle par terre, il va falloir le recouvrir de sang, même mieux que ça, la Gemara précise qu'il faut qu'il y ait du sang d'abord, il faut faire couler le sang sur de la terre et après le recouvrir de terre. D'accord ? Maintenant, la Mishnah commence à m'enseigner. On va ouvrir le psukim ensuite pour voir, mais d'abord on traduit la Mishnah, ça va être facile. Shachat me'achayot bemakom echad. S'il a égorgé même 100 animaux sauvages dans un même endroit, donc il a tous fait, il a égorgé un cerf, et il a versé le sang, deux cerfs, trois cerfs, il a toujours pas recouvert. Et puis à la fin, kisui echad ekulan, il pourra recouvrir, une fois il recouvre tous les 100 en même temps, et il s'acquitte de sa mitzvah de kisui adam de la sorte. Idem encore avec me'achofot bemakom echad. S'il a fait 100 volailles dans un même endroit, ouais, peu importe, c'est de la même espèce, ou un peu de canard, un peu de poulet, et puis un peu de coq, et des pigeons, et ce que vous voulez, eh bien, il finit de faire la shrita pour tout le monde, et puis après, il les recouvre tous en même temps. D'accord? Ensuite, la Mishnah continue en disant, par contre, s'il le fait chaya va'of, cette fois-ci, il a égorgé à la fois des animaux sauvages, un cerf par exemple, ou plusieurs cerfs même, et des off, des volailles, des poulets. Donc Chaya va off bemakom echad, s'il a fait donc un animal sauvage et un poulet, ou plusieurs même, ça revient même, bemakom echad dans un seul endroit, et bien le Mishnah continue à m'enseigner, qui soit echad lekulan, même principe, tu recouvres une fois le sang de tous en même temps et tu t'accuses de ta mise de la sorte. Et Rabbi Yehuda Omer, Shachat chaya yechasena, v'acharkach ishchot et ha'of. Rabbi Yehuda enseigne non. Lorsque tu as fini, tu as commencé avec l'animal sauvage, bien, tu finis avec l'animal sauvage, tu recouvres son sang et après tu verses dessus le sang de la volaille. Ça, c'est déduit d'un psukim. Je vais faire. Bon, non, dans quel point de suite. Vaikra Yudzaïn. On a là-bas la misa de Kisui Adam qui me dit. Il y a deux expressions à retenir en fait pour notre propos tout de suite. C'est que. Et ici, ça commence. Il y a au début de la paracha d'abord, je ne sais pas où c'est, je n'ai pas vérifié avant, mais il y a marqué, on parle de manière générale, d'Aber Alaron Velbena Velkol Bene Israël. On s'adresse à tous les Bene Israël, ça va être important pour le sujet de la Mishnah, mais pour le moment, je saute directement sur la misa de Kisui Adam, où la Mishnah, elle a où la Torah me dit Ve Ish, Ish, mi Bene Israël, mi Nager, Agar, Betoucham, Asher Yatsud, Tzed Chaya, O Of, Asher Yachel, Veshafach et Damo, Vechisaou Beafar. Là, c'est la misa de Kisui Adam, on est Perikud Zayn, Perikud Gimel. Lorsqu'un homme, Mi Bnei Israël, de nouveau, il y a marqué encore le Bnei Israël, c'est même celui-là qui m'intéresse plus, de Bnei Israël, qui va, ou même des guérim, des convertis, qui va chasser du gibier, d'un animal sauvage, ou bien d'une volaille, qui est consommable, bien sûr, qui est cachère. Eh bien, Veshafach et Damo, il devra verser son sang par terre, Vechisaou et Beafar, et il le recouvrira avec de la terre, à l'intérieur de la terre. Il y a maintenant, par rapport à l'expression Chaya O'of, des fois, vous savez bien, il y a, lorsque je veux, dans la Torah, il y a le Vav, qu'on appelle le Vav Achibour, quand je veux dire deux choses, Chaya Ve'of, ça peut être interprété soit Chaya O'of, ou soit Chaya Ve'of, soit ce qu'on appelle le Vav Apiroud, ou Vav Achibour, soit. Le Vav, en fait, il est interprété comme un ou, soit l'un, soit l'autre, soit il est interprété comme un et. Un animal sauvage et un poulet. Comment interpréter? J'ai dit un animal sauvage ou un poulet, ou un animal sauvage et un poulet.
Selon Rabbi Yehuda, si la Torah l'avait exprimé même, Chaya ve ova of, j'aurais de toute façon compris, un taureau et un poulet, ça n'aurait pas inclus de faire nécessairement les deux, ce soit l'un soit l'autre. Pourquoi la Torah insiste à me dire Chaya o of, en rajoutant une lettre supplémentaire, pour t'apprendre à couper, à te dire, tu recouvres le sang des animaux sauvages indépendamment et le sang des volailles indépendamment. Donc si tu viens faire les deux espèces, chaque fois que tu passes de l'une à l'autre, tu recouvres ce que tu as déjà fait avant de continuer. D'accord ? C'est la vie de Rabbi Yehuda. Tandis que Rabbi va nous dire, non, si tu avais écrit Chaya ve ova of, alors tu aurais naturellement interprété qu'il faut que la Torah t'impose cette misa, que tu as égorgé un animal sauvage et une volaille. Mais si tu as eu l'un ou l'autre, tu ne serais pas imposé, c'est pour ça que la Torah a eu besoin de te préciser donc O, à la un ou l'autre, et donc dans ça là, il n'y a plus de mots supplémentaires pour t'apprendre à les distinguer l'un de l'autre. Ok ? Je garde le chumash ouvert et pendant qu'on continue, il y a précision du Barthénois, malgré tout, lorsqu'il va faire plusieurs kisouyadam, il fait une seule bracha pour tous, même lorsque c'est deux espèces, même d'après Rabbi Yehuda. Ouais, vous savez qu'on fait la bracha de kisouyadam. D'ailleurs, ceux qui font les kaparotes avant Yom Kippour, ouais, vous savez, dans les kaparotes. Donc personnellement, on fait chez ça avec de l'argent. Il y en a qui font avec des poulets, qui font tourner le poulet trois fois autour de la tête, et puis après, ils font la shrita du poulet. En général, on donne alors à celui qui fait la kapara le mérite de faire la mitzvah avant Yom Kippour, de faire une mitzvah supplémentaire, de faire la mitzvah de kisouyadam. On prend je l'ai déjà faite, personnellement, j'ai déjà participé, et j'ai eu la chance de le faire au moins une fois dans ma vie, quoi. On prend de la terre, on fait la mitzvah, et on recouvre le sang, et c'est tout, d'accord ? Bien, d'après Rabbi Yehuda, le Barthénois nous précise, on fera une bracha, même si on fait deux espèces différentes, qu'il faut le faire en deux actions distinctes. On continue avec la suite de la Mishnah, « Shachat velo kisa, vera'ahu acher chayav lechassot » S'il a égorgé l'animal, mais lo kisa, il ne l'a pas recouvert, il est passé à autre chose. Mais il y avait, moi j'étais à côté, vers Ahou Acher, il y a eu quelqu'un d'autre qui l'a vu, eh bien, il faut que je sache, Chayav le Chassot, je suis obligé de recouvrir le sang. C'est pas que si je veux, je le fais, c'est que je suis obligé de le faire, et ça c'est déduit, Omer, Livne Israël. C'est déduit du fait qu'il y a écrit Livne Israël, que, donc Bémet, c'est pas le dernier que je viens de dire, mais c'est Bémet, le premier de la paracha, où il y a marqué que Hachem a dit à Moshe que tu diras à Aaron et à ses enfants et au Bnei Israël. À tous les Bnei Israël, pour bien le préciser, je pense que c'est celui-là, quoi. Non, c'était juste avant. Ouais, pas celui de bête. Alkan a marqué les Bnei Israël, comme Nefesh Mekam l'Otochal Dam. Donc, il y a marqué les Bnei Israël pour dire qu'on est tous engagés par cette mitzvah. Donc, c'est sûr qu'a priori, moi, j'ai ma mitzvah de le faire si c'est moi qui ai égorgé. Mais si je ne l'ai pas fait, alors tout le monde a l'obligation de le faire derrière moi. Ensuite, Kisaoua Ruach. Non, c'était d'abord ici. Kisaou Venit Gala, Patour Mil Chassot. S'il a recouvert le sang, j'ai dispersé ma terre comme ça sur le sang. Et ce qui se passe, c'est qu'après, il y a un coup de vent qui a levé Biyuk, la petite couche que j'ai rajoutée, il l'a reprise et l'a retirée. Est-ce que vous devez refaire la mitzvah de recouvrir le sang ? Non, la Mishnah m'enseigne, ben non. Kisaou Venit Gala, Patour Mil Chassot. Si tu l'as recouvert une fois et qu'après, ça s'est redécouvert, eh bien, tu es dispensé de refaire la mitzvah une deuxième fois. Ça, c'est déduit du pasouk qui est marqué Verissahu Be'afar. Le pasouk consiste que tu le recouvriras à lui une fois et pas deux. D'accord ? Verissahu Be'afar, c'est la fin du pasouk. Par contre, Kisahu Aruach Chayav Lechassot. D'abord, je traduis littéralement, et puis après, on apporte la précision qui va rectifier l'erreur qu'on aurait pu faire. Kisahu Aruach, c'est que si le vent il l'a recouvert, alors Chayav Lechassot, il est obligé de le recouvrir. Le Barthénois explique qu'en réalité, on ne parle pas que je suis obligé de le recouvrir pendant que c'est recouvert, mais plutôt, si le vent l'a recouvert et le vent l'a ensuite redécouvert, j'aurai la mitzvah de le recouvrir une fois. Et je m'explique. J'ai gorgé le poulet, j'ai versé le sang, et j'ai pas eu le temps. Je voulais, mais je m'apprêtais à faire de ma mitzvah de kisouyadam. Il y a eu d'un coup un petit coup de vent qui a fait tomber de la terre, bidyuk, exactement à l'endroit où il y avait le sang. Donc je n'ai pas fait la mitzvah de kisouyadam. En l'état, je suis dispensé de la mitzvah de kisouyadam. Si toutefois le vent va revenir et va souffler de nouveau, si ça arrive, qui va repousser maintenant la terre qui est tombée et que ça va se redécouvrir, et bien dans ce cas-là, j'aurai la mitzvah de recouvrir une fois, parce que j'ai la mitzvah de le faire au moins une fois, de recouvrir le sang au moins une fois. D'accord ? Mais tant que c'est encore couvert avec la terre qui est tombée à cause du vent, alors je n'ai pas la mitzvah de faire le kisouyadam. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov.